Bonjour. Merci à Culture Outaouais d'avoir maintenu puis adapté les culturiades à la crise qu'on traverse. C'est essentiel de maintenir les liens qui nous unissent, de maintenir les liens qui unissent les gens de culture, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, les derniers mois ont été difficiles, particulièrement dans le milieu de la culture. Partout, les artistes, les artisans du milieu ont vu leurs projets annulés, reportés, leurs rêves, je dirais même leurs besoins de créer, limités. C'est une première raison de garder des liens forts, parce que la solidarité est nécessaire. Les liens entre les gens de culture sont nécessaires également parce que le monde a besoin de culture. L'art peut prendre des formes différentes selon les artistes, selon l'endroit d'où on vient, mais un même principe sous-tend ces manifestations. L'art est une façon pour l'humanité de se montrer plus grande que ce qui l'écrase. Nos artistes nous forcent à réfléchir, nous émeuvent, nous divertissent, nous sortent de notre quotidien, nous éloignent de nos considérations plus terre-à-terre pour nous ramener dans le monde de l'esprit, dans l'imaginaire, dans l'émotion. Donc, l'art est nécessaire, mais je dirais surtout maintenant. Je vais maintenant annoncer le nom de la personne qui recevra le prix hommage à titre posthume. Cette personne a été un modèle d'engagement dans la région, et ce, à plusieurs égards, par son œuvre d'écrivain, par son œuvre d'éditeur, par son engagement comme professeur. Il s'agit de Michel Lavoie, des éditions Vent d'Ouest. Monsieur Lavoie était éditeur, écrivain, enseignant. Il a signé plus de 65 romans au cours d'une carrière d'écrivain qui a amorcé à l'âge de 48 ans. Longtemps enseignant de français à l'école secondaire Montbleu, M. Lavoie a écrit pour tous les publics, mais il y avait une prédilection pour la littérature jeunesse. Je tiens à souligner l'importance de son engagement pour faire rayonner les livres en Outaouais, tant par sa propre production que par son immense travail auprès des éditions Vent d'Ouest, dont il était un pilier. Quand on œuvre auprès des jeunes, quand on s'investit dans le livre, notre impact sur la société est profond. Nous devons donc beaucoup à Michel Lavoie. Il y a toute notre reconnaissance. Le prix hommage va être remis à sa famille. Où que vous soyez, M. Lavoie, merci. J'ai rencontré pour la première fois Michel Lavoie au moment où je venais tout juste de publier mon premier vrai livre aux éditions Médiapol en 1995. Lui-même avait auparavant publié son premier roman pour la jeunesse aux éditions Pierre Tisserre. Sans doute n'étions-nous pas destinés à nous rencontrer, car nous avions des publics assez différents. Lui aimait s'adresser aux adolescents, et surtout aux adolescentes, tandis que moi, je me cherchais simplement des lecteurs à remplir d'épouvante, peu importe leur âge. Toujours est-il que Michel avait approché les éditions Vent d'Ouest avec un projet de lancer une collection pour les adolescents. Comme j'avais déjà fait un peu de révision pour cet éditeur et qu'il était au courant que j'avais publié un roman pour adolescents peu de temps auparavant, on m'a donc demandé si j'étais intéressé à co-diriger une collection avec lui. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés pour la toute première fois lors d'une réunion du CA aux éditions Vent d'Ouest. D'emblée, nous nous sommes bien entendus. Michel aimait bien à rire, tout comme moi, et il ne se prenait pas trop au sérieux. Et cette humilité que j'ai remarquée au premier abord n'était pas feinte. Michel était vraiment comme ça et il n'a jamais changé de ce côté. Et comme il aimait travailler dans la bonne humeur, c'était toujours amusant d'être à ses côtés dans un salon du livre. D'ailleurs, lorsque le hasard nous réunissait à une même table de dédicaces, il aimait lancer aux gens « On fait une bonne équipe! Moi, je fais brailler les jeunes avec mes histoires d'amour et lui, il leur fait peur avec ses histoires d'horreur. » La collection ado que nous avons lancée et dont nous nous occupions a été importante puisque c'est à travers elle que, au fil des ans, j'ai découvert plusieurs des qualités qui faisaient la valeur de cet homme. Ce n'était pas simple de lancer une collection dont personne n'avait évidemment jamais entendu parler, mais Michel était du genre très optimiste. C'est ainsi que nous avons dû nous-mêmes produire les trois premiers titres nécessaires pour que notre collection arrive sur le marché en janvier 1996. Nous y avons publié chacun un roman et le troisième titre fut un collectif réunissant des écrivains chevronnés d'un peu partout au Québec, histoire de faire circuler le nom de notre nouvelle collection. Dès nos saisons suivantes de publication, j'ai commencé à mieux connaître Michel, l'homme qui cherchait à donner une place aux auteurs de l'Outaouais dans le monde du livre pour la jeunesse.
Tout au long de l'existence de la collection Ado et aussi des autres collections pour la jeunesse qui ont suivi, on a vu passer des auteurs de l'Outaouais. Michel avait l'habitude de dire que c'était difficile pour un auteur d'ici d'aller publier chez un éditeur montréalais et que c'était notre mission de leur offrir une tribune pour faire valoir leurs écrits. Un écrivain outaouais qui publie chez un éditeur outaouais des livres imprimés chez un imprimeur de l'Outaouais, comme nous sommes devant l'ancien local de l'imprimerie Gauvin, c'est naturel. Non seulement Michel encourageait-il les gens d'ici à publier chez nous, mais il était également un découvreur de talent. Et nombre d'auteurs n'ayant jamais publié ont pu faire leur classe dans l'une ou l'autre des collections pour la jeunesse qu'il dirigeait. C'est ainsi qu'au fil des ans, nous avons parfois publié des auteurs qui, bien que recrues en littérature, étaient pourtant rendus à l'âge de la retraite. Michel a aussi été tout un formateur de talent. On ne compte plus le nombre d'ateliers d'écriture qu'il a offerts au fil des ans, ni le nombre de personnes qui y ont participé. Je l'imaginais désireux de faire connaître à tous la joie que lui-même éprouvait à raconter des histoires aux jeunes pour mieux les faire rêver. Mais je crois que ce que Michel aimait le plus, ce sont les jeunes eux-mêmes, avec qui il a passé une bonne partie de sa vie en tant qu'enseignant. C'est d'ailleurs lorsque l'heure de la retraite a sonné qu'il s'est véritablement lancé corps et âme dans l'écriture, s'inspirant de ses souvenirs d'enseignant pour trouver les sujets dignes d'intéresser les jeunes et s'inspirant aussi des problèmes vécus par ceux-ci pour inventer des histoires susceptibles de leur redonner espoir. Et si Michel aimait les jeunes, ces derniers le lui rendaient fort bien. Je pouvais m'en rendre compte lors des salons du livre, surtout celui de l'Outaouais, où j'ai souvent eu l'impression qu'il avait enseigné, à l'une ou l'autre époque, à la totalité des gens de Hull. Tout le monde le connaissait. Je l'écoutais souvent leur parler lorsque des attroupements d'adolescents se formaient autour de lui. Il a toujours encouragé les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Et l'une des plus belles preuves en ce sens est sans doute la création, dès 1996, du Prix littéraire Jeunesse Vent-d'Ouest, un concours d'écriture de nouvelles qui s'adressait exclusivement aux moins de 18 ans et dont les lauréats voyaient leur œuvre publiée dans un recueil de la collection Ado. Un prix qui faisait littéralement découvrir aux jeunes lauréats le monde de l'édition en les familiarisant avec les notions de direction littéraire, de relecture, de révision et, dans une certaine mesure, d'autocritique. Ils découvraient ce qu'est un contrat d'édition et venaient même faire des séances de dédicaces au Salon du livre de l'Outaouais. Et le salaire de Michel, me direz-vous? Le salaire de Michel, c'était l'émotion des filles et des garçons qui découvraient leurs textes dans un vrai livre, le pétillement dans leurs yeux lorsque, assis à une table de dédicaces, ils discutaient avec d'autres jeunes, souvent leurs compagnes et compagnons de classe. Alors, c'est un peu cela, Michel Lavoie, un homme qui ne se prenait pas pour un autre, accessible et plein d'empathie. Quelqu'un qui voulait que tous ceux qui rêvaient d'écriture aient leur chance. Quelqu'un qui, surtout, ne croyait pas ceux qui disaient que les jeunes ne lisaient plus et qu'ils n'avaient aucun intérêt pour la littérature. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était de partager avec les ados ses connaissances et de leur montrer qu'avec un peu de travail et de volonté, leurs rêves étaient à leur portée. Tout était à leur portée. Vraiment, Michel, je me demande qui saura s'occuper aussi bien que toi des jeunes et des apprentis écrivains en général, maintenant que tu n'es plus là. Heureusement, ton souvenir sera toujours présent, non seulement pour celles et ceux qui t'ont côtoyé, mais aussi pour accrocher un sourire sur mon visage dans les moments où je me remémore les bons moments qu'on a passés ensemble. Alors, pour tout ce que tu as fait, salut Michel et merci pour tout. Quant à nous, suivons donc son exemple et faisons confiance aux jeunes. Ah! Bonjour à tous. Mon nom est Daniel Lavoie et je suis un des deux fils de Michel. Aujourd'hui, mon frère Jean-François et ma mère Micheline se joignent à moi pour recevoir le prix hommage de la ville de Gatineau au nom de mon père, mais surtout au nom de l'auteur Michel Lavoie.
Michel a débuté sa carrière d'écrivain quand il a publié son premier livre jeunesse, Drôle d'héritage, en 1994 chez Pierre Tisser, grâce à Robert Soulière. Merci Robert pour le précieux coup de pouce qui a permis à mon père de réaliser sa passion et de la partager avec plusieurs personnes pendant de nombreuses années. Je me rappelle encore à l'époque que mon père avait cogné à plusieurs portes avant que Robert lui offre sa première chance. Je suis certain que mon père n'avait jamais envisagé, 26 ans plus tard, de publier plus de 65 livres jeunesse, plusieurs recueils de nouvelles, en plus d'une pièce de théâtre. D'ailleurs, son livre Anka, qui est encore à l'étude dans plusieurs écoles secondaires du Québec, est toujours très apprécié par les étudiants et les étudiantes. Sa passion de l'écriture se poursuit en 1996 en se joignant à la Maison des éditions Vent d'Ouest à la direction de la collection Ado. Plus tard, il est devenu coordonnateur chez Vent d'Ouest jusqu'en 2020. Il était très fier de nous parler quotidiennement des manuscrits qu'il recevait, mais surtout de la sortie d'un nouveau livre d'un auteur qu'il avait à faire ses premiers pas dans le monde littéraire. Un merci spécial à Claude Bolduc pour son grand apport au succès des éditions Vent d'Ouest et au support indéniable à son collègue et grand ami Michel. Vent d'Ouest a été une grande seconde carrière pour mon père. Au cours de sa carrière d'auteur, mon père a reçu plusieurs prix de reconnaissance pour son talent d'écriture, mais surtout pour son implication auprès des jeunes et moins jeunes, avec lesquels il aimait partager sa passion et ses connaissances littéraires et d'écriture. En 2007, Michel Lavoie recevait le prix à la création artistique pour la région de l'Outaouais du Conseil des arts et des lettres du Québec, après avoir reçu, en 2002, le prix de la Fondation des Culturiades. Je me rappelle d'avoir été présent lors de la remise de ce prix. Très humble, mon père était déjà très fier de faire partie des finalistes après quelques années seulement de publication. Quand j'étais plus jeune, mon père venait me voir à l'aréna jouer au hockey. Il était celui qui m'applaudissait lorsque je comptais un but. Mais ce soir-là, c'était à mon tour de l'applaudir au Culturiades pour sa grande victoire. Il avait marqué un gros but ce soir-là. J'en profite d'ailleurs de l'occasion pour souhaiter bonne chance aux 12 finalistes de cette 21e Culturiades. Mon père a été un prof, comme on dit, à l'école secondaire pendant plus de 33 ans. En plus de ses projets d'écriture, il a transmis cette passion à ses élèves de l'école secondaire Montbleu en les encourageant à publier leurs nouvelles dans un livre. Il avait créé la Fondation des éditions Montbleu, qui publiait des jeunes auteurs dans des recueils de nouvelles. D'ailleurs, une de ses anciennes élèves, Marie-Ève Lacasse, qui l'a publiée, est devenue par la suite une auteure très prolifique au Québec et en Europe. À la suite de sa retraite de l'enseignement, mon père a continué de transmettre sa passion en offrant régulièrement des cours d'écriture aux adultes, dont quelques-uns d'ailleurs ont publié leur premier livre jeunesse chez l'édition Vent d'Ouest. En mon nom personnel, de mon frère Jean-François et de ma mère Micheline, c'est un honneur pour nous de recevoir au nom de mon père, Michel Lavoie, le prestigieux prix hommage de la ville de Gatineau. En terminant, nous voulons remercier Culture Outaouais de permettre à mon père de boucler une belle carrière d'auteur en soulignant ici son travail et sa grande contribution au monde littéraire au sein de la belle région de l'Outaouais. Merci à tous.